C'est l'éthique, c'est mon rôle sur YouTube. Je multibox un petit peu en fait. Je multibox des chaînes YouTube. J'utilise un déguisement quand je fais les vidéos sur la chaîne de C'est l'éthique. C'est pour ça que je place beaucoup de mèmes de moi-même. Mais en fait, c'est la même personne depuis le début. Tout ça dans l'espoir unique qu'on soit un jour remarqué par Enjoy Phoenix. Un plan qui est mis en place depuis plus de 4 ans en réalité. Multibox et les M-Words, c'est vrai. Oh, Enjoy Phoenix, what the fuck, merci beaucoup. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour le host, what the fuck. Merci beaucoup, madame. Attendez, je suis en train d'écrire un truc. What the fuck. Ce soir est le soir où on arrête les mimes. J'arrête de me foutre de la gueule des pandas mages. Et voilà, ce soir, c'est la première fois de ma vie de 1 où je crée vraiment un vrai mage et en plus un panda et qui s'appelle Je suis gros. C'était une longue histoire, mais le pseudo Je suis gros a fait rigoler des gens. Je suis obligé de garder ce pseudo et il fallait que je le mette sur quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, bon bah, le mage, le prochain. Donc, si je fais un Je suis gros, mais que je fais un Undead, où bah, il y a la peau sur les os et c'est qu'à le dire, ça le fait pas, tu vois. Pour expliquer le pourquoi du comment du panda mage, c'est pour ça. Attends, mais je reconnais la coupe à combo de plus en plus. MDR, tu nous fais quoi, celle? Moi? Il y a aucun combo ici, hein. Je sais même pas si je pourrais faire un Photoshop avec cette touffe sur la mienne. Non, je pense pas. Non, mais si tu as la même coupe que combo, tu restes BG, t'inquiète. Ouf. Il est là, le Je suis gros. Il est là. Je suis gros, je suis gros, je suis gros. Ouais, ouais, je sais, Morito. Attends, ça fait Lille direct? T'as dû choisir Lille? Ok, ouais, j'ai dû choisir Lille, je pense. C'est pas grave, c'est mieux. C'est mieux Lille, hein. C'est beaucoup plus rapide. Hein. Attention, 1, 2, 3, add-on. Ah attention, c'est l'Ethics. Tu vas kiffer match, tu vas voir. Ouais, on va voir. Hein. On va voir. Donc, avant-première, c'est ma première fois, donc me faites pas mal, s'il vous plaît. Panda dans ta mère. Panda dans ta mère. Quoi, il est mort? Mon swag l'a tué, genre. Ah putain, maintenant faut utiliser les trousses de swing. Le jeu est complet quand même. Hein. Ah, y a un panda mort aussi. Attends, je m'occupe du roux. Ah, le panda. Non, il s'appelle Beau. Beau. Oh là là, il y a des speedrunners. Il est déjà niveau 4. On va le rattraper. Hein. Comment il s'appelle lui? Ouais, ok, il one shot. Merde. Il one shot. Non. On sort de l'île avant Danny par contre. Hein. Danny le hunt. Je suis en train de jouer ma vie, mais c'est pas du tout ce qu'elle veut, je pense. Trait de feu. Bah, tu vas pas m'apprendre à jouer, je suis en train de te ken là. Oui, je sais, j'ai vu. Oui, bah c'est bon. Voilà. Est-ce que vous pensez. Attendez. Oui, mais j'ai 10 secondes. Est-ce que vous pensez que trait de feu se lance instantanément ou pas le chat? Moi, je crois que oui. Hein. Ok. On peut déjà se faire agraille. Niveau 5, c'est déjà la graille chez les mages. Hein. Mage, c'est un peu de dégâts au début. Ouais, mais dès qu'on sera niveau 10, on pâche feu. Regardez. Hop, kite, tac. Hop. Non, la grand-mère hein, de jeu au seigneur, bam, vous pensez que je vais rester dedans? Et bah non, soulèvement, il me soulève qui? Il soulève personne. On met un petit coup de panda, on a fait un 3-6 noscope, boum. Trait de feu qui se lance instantanément. Trait de feu se lance instantanément. C'est quand que je peux taper par contre? Allô? Par contre, un fun fact, la quête juste après, où tu sais, tu tournes en rond et normalement tu dois tuer les gens qui sont en dessous, bah j'avais pas l'arme. La quête a bugué. Genre, du coup, j'étais juste suspendu en haut. Il me faisait un petit tour du paysage, mais je pouvais rien faire. Genre, j'étais en mode comme ça. Bon. Danny a déjà battu le dernier boss de l'extension AMM. Putain, Danny, il est vraiment trop fort. Putain, Danny le speedrunner. What the fuck, je peux pas tirer. Ça me l'a déjà fait ce bug. Par contre, on dirait que j'ai le pistolet laser de Call of Duty, genre. Oh, je peux tirer maintenant. Oh, non, vous savez, je crois que savoir ce qui a débugué. À moins que ce soit une coïncidence, mais c'est quand j'ai enlevé l'interface. Par contre, je suis en train de... Bordel. Pourquoi on garde pas cette arme pour battre des Atreus? Méthode en sueur. Hein. Danny, il a déjà choisi sa congrégation. Ah, les enfoirés. Par contre, si on le croise, j'ai le mort. Je suis niveau 6, ok? Niveau 6, retenez bien. C'est PNJ là pour speedrun, je pense. Hein. Ok, donc là, à partir de maintenant, on a même plus besoin de mettre la monture. On est aussi rapide qu'une monture. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Ok. Plus de quête. Le speedrun est mentalement interrompu. J'ai envie de voir si on peut le faire tout seul, l'ours.
ils disent bien joueur suggéré 3, tu vois. On va voir du coup si on arrive. Je suis gros. Est-ce que je suis gros, il me mange pour 3 personnes? Et est-ce qu'il tue pour 3? Ok. Niveau 8. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ok, j'ai foncé dans l'eau. Ok, je fais pas le chip vu que c'est un animal. Je suis un animal aussi, hein, actuellement. Ok, il m'a déjà graille. Charge pour... Ah bah oui, mais non, mais t'es... T'es gelé, mon con. Tu sais pourquoi j'ai pas envie de faire trait de feu? Parce qu'en fait, je me dis que si je fais trait de feu, ça va réchauffer mon adversaire. Et du coup, si je réchauffe mon adversaire, il est plus gelé, genre. J'ai vraiment une logique trop nulle. Oh là là, ce kiting, hein, je suis gros. C'est plutôt je suis trop fort. Let's go, Bill! The aggression of Aztec, it's starting to subside. Cloud9 are trying to assert dominance in game 2. Valet disperses away. Minpoike barely recovering, stunned up, a full bash. Kotzi looking to close out the game here. Wealthy man blinks. Merde. Je me tire! Ou une wyvern. Nice! La petite wyvern. Petit décollage sur place. Oh, en vrai, ça c'est stylé par contre. Ça c'est stylé. Je pense qu'il faut normalement battre des ailes. Hein. Je suis pas trop un oiseau, mais je crois que pour voler, il faut battre des ailes. Je connais pas trop la physique, mais... je pense que normalement, c'est pas comme ça que tu voles, quoi. Surtout avec un panda, genre. Explosion de pyrotechnique et choc de flamme si cet effet est appliqué à nouveau. Les dégâts restants ajoutés à la nouvelle utilisation... J'ai rien compris. Et comment je fais brûler les gens? Ah, il y a l'inconnu, noob. Toi, noob. Report. Lui il est report, hein. Son compte il est ban demain. Plus jamais il m'insulte de nous en live. Il y a des témoins. Hein. Tu vas faire quoi devant 32 personnes? Tu vas faire quoi devant 35 personnes? Tu vas faire quoi devant 35 personnes? Tu vas faire quoi? Attention, c'est les tics. Devant 32. Putain, il a sauté. Il est mort? Il est mort en plus. What the fuck? il me lâche un vapex. Oh là là, mon dieu. Noob! Qui meurt en 2020 de cette chute par contre? Je suis gros gang! Je suis gros, je suis gros, je suis gros! T'as Lil Pip et t'as Lil... Moi je suis Lil Gros. Genre il m'appelait comme ça, genre Lil Gros genre. Emmenez-moi à la foire, emmenez-moi à la foire! Emmenez-moi à la foire. Votre trait de feu se lance instantanément. On va essayer de faire une petite transmo, on a l'iac. Est-ce que je vais oser par contre? Est-ce que je vais oser? Je pense pas. Hein. Ah ouais, c'est dégueulasse hein. C'est vraiment, mais... Même moi, j'ai pas envie de regarder mon écran, en fait, là. Mais je pense que, du coup, les ennemis ne voudront pas me regarder non plus. Aïe, aïe, aïe. C'est le vomi. Ça se transforme, on dirait ton gameplay en tournoi. Wow, 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 wow. Par contre, j'étais pas là pour me faire tirer dessus en direct, hein. Là, je me fais swatter, hein. C'est du pur swat que tu viens de me faire dans la bouche, là. Aïe. Merci hein, d'être là. Tant mieux si vous kiffez le stream. Moi, je kiffe avec vous. Ça fait grave du bien de faire un peu de pexing. J'adore le pexing, en vrai. Je suis pas très pacing, mais de toute façon, dans 20-30 ans, il y en a plus. Regardez. Hop, comme à l'entraînement. On en chip 1, comme à l'entraînement. On CS, on nova le givre, du coup, on enlève le chip. On a où sa grand-mère. On re-chip. Merde, c'était pas lui que je voulais chip. Comme à l'entraînement. Pourquoi prendre un match, bordel? Bordel, pourquoi? Pourquoi tant de haine, putain? Je sais pas.